chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril. À vous qui êtes en chemin de vie 3, ou si vous cherchez l'énergie du 3, qui est une énergie en lien avec le projet, ça fait le 2 plus le 1. Voilà, donc on va regarder ensemble les énergies dont vous avez besoin pour conforter là où vous en êtes, à vous qui avez envie d'explorer et d'ancrer la magie dans votre vie et dans votre activité. Allez, allez, on est parti. Yeah. Avec le Light Seers Tarot que j'aime toujours, il est tellement juste. Bon, bah, y en a une qui a envie de sortir, plus une deuxième. Donc, on va prendre celle-ci en premier et celle-ci en deuxième. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouf. Écoutez, je les sors en même temps parce que je crois que... Waouh! Mais écoutez, c'est un cadeau, ça aurait pu être un cadeau un peu empoisonné, mais non, c'est un beau cadeau. Votre projet, ben, il va être victorieux, parce que vous voyez, là on est avec le diable. Et donc cette carte-là, elle vient contrer les énergies du diable qui est en vous, qui vous perdait un petit peu depuis un petit moment. Et là, je sens... Vous avez fait table rase d'une partie de votre passé, c'était pas évident, parce qu'il y avait une partie en vous qui vous disait de ne pas couper ses branches mortes, de ne pas faire ce nettoyage, enfin vous voyez tout ça. Vous l'avez fait en écoutant vraiment votre âme, et qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit votre âme? Bravo, vous avez bien fait, parce que vous êtes victorieuse avec ce 6 de bâton. Donc vous avez vraiment bien fait, donc je suis contente de cette... de ce début de message, parce que c'est vrai que c'était pas évident à ce que vous avez mis en œuvre. C'était pas, les choix n'étaient pas faciles, un peu cornéliens. Et pourtant, vous avez combattu ce qui pouvait être des ombres, qui pouvaient vous ramener dans des douleurs, dans des comportements anciens. Et il y a une force, une énergie de victoire, de courage, de ténacité, d'adversité qui était là. Vous n'avez pas écouté votre extérieur, vous avez vraiment écouté votre intérieur en vous disant « Non, stop, ça suffit, maintenant je vais là où j'ai envie d'aller parce que c'est bon pour moi, je suis maître de mon destin » et vous avez bien fait parce que vous avez raison. On vous confirme vraiment avec cette carte, la victoire, ce 6 de bâton, que vous êtes exactement là où vous deviez être et bravo pour ce courage et cette ténacité d'avoir... couper des liens toxiques pour ne garder que des liens d'âme, des liens d'amour. Couper les branches mortes qui étaient autour de vous, qui étaient alimentées, mais qui n'étaient plus d'aucune utilité pour votre vie en fait. En fait, ça parle des choses du passé dont vous deviez vous défaire. Ça parle peut-être de... alors il y a les relations, il y a aussi des objets, il y a des vêtements, il y a des croyances aussi. Il y a tout ça qui a été nettoyé. Et waouh quoi, le printemps il vous va vraiment bien. Et vous avez franchi cet équinoxe avec une certaine sérénité que vous ne connaissiez pas. Et qu'en fait vous avez envie de garder là parce qu'elle va vous accompagner pendant tout ce printemps j'entends. Donc waouh, nouvelle énergie qui auparavant pouvait vous faire peur avec un petit côté dévastateur parce que tellement grande. Et en même temps aujourd'hui... je dirais, c'est pas tant l'énergie qui a changé que c'est vous qui avez grandi, voyez. Donc le truc qui pouvait vous paraître gigantesque avec un gros frein d'imposture, et bien en fait aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes à la hauteur de la tâche que vous avez choisi de mener à bien dans votre vie et dans votre activité. Donc waouh, quelle belle constatation, vous voyez, quel beau... je cherche le mot, j'entends le mot factuel. Les faits parlent d'eux-mêmes pour vous. Vous vous en rendez compte en fait. Les faits sont en train de vous donner raison. Et donc faites confiance à cette voix qui est à l'intérieur de vous, que peut-être vous n'avez pas toujours écoutée. Et elle va prendre plus de place, plus d'ampleur. Et vous allez lui faire confiance. Parce que c'est ce que vous attendiez. Là, il y en a un peu beaucoup. C'est ce que vous attendiez. Et il fallait... qu'on vous pousse dans vos retranchements pour que vous... Il y en a deux qui sortent. Il fallait qu'on vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez agir, en fait. Parce que sinon, vous étiez un peu coincé sur votre piédestal. C'est génial, la reine d'épée. Sauf qu'elle est un peu sur sa tour d'ivoire. Donc, elle y voit. Mais elle agit pas trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de...
d'envie, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pérégrination intellectuelle, il y a du rêve, il y a tout ça, et puis ça bougeait pas en fait. Et qu'est-ce que la source vous a fait faire? Elle vous a fait plonger dans le monde réel, et ça peut faire peur, hein. Et en même temps, vous a un peu poussé pour que cette énergie-là, vous puissiez l'habiter dans la matière en fait. Et donc, vous avez franchi cette étape avec sérénité, parce que vous étiez à la fin d'un cycle. Le monde, le 21, nous parle de la fin d'un cycle. Vous avez bouclé, j'entends 3 années, c'est pas 2, c'est 3 années. Regardez un petit peu, là, dans vos énergies. Il y a eu un point de départ, il y a 3 ans à peu près, au printemps, il y a 3 ans. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à voir le bout de ce truc qui vous empêchait d'avancer. Vous avez coupé les fils de votre passé un à un, de façon très patiente. Et peut-être il se pourrait fort que quand vous étiez dans ces énergies, vous ne voyiez rien arriver, n'empêche que petit à petit, eh bien, ça s'est transformé et aujourd'hui, bah, hop, vous plongez complètement à l'intérieur de vous, dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau projet. Et qu'est-ce que vous avez raison, quoi? Qu'est-ce que vous avez raison? Vous êtes sur la bonne route, les énergies sont avec vous, c'est concret, c'est factuel, c'est juste, ça vous va bien, c'est ce dont vous avez toujours rêvé. Et vous le sentez, c'est même pas dans votre cœur, c'est dans votre corps tout entier. Vous sentez que ça vous... c'est pas submerge, c'est que ça vous dépasse. Submergé, ça voudrait dire que vous pourriez être écrasé. Non, 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 ça vous dépasse dans le sens, ça sort de vous, ça... Vous n'avez pas besoin de contrôler en fait, vous avez simplement besoin de maîtriser l'énergie. La différence entre les deux, c'est que quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans l'ego, et quand vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans l'âme, dans votre énergie d'âme. La maîtrise, ça veut dire le maître qui est en vous. Vous êtes en train de devenir le maître des énergies qui vous habitent. Et c'est ça qui vous manquait, parce que vous aviez un peu des fils à la patte. Où, moi j'aime bien dire, vous savez, vous vouliez vous envoler dans votre montgolfière, puis il y avait plein de sacs de votre passé qui vous empêchaient. Il y avait des gens qui tenaient les sacs pour vous empêcher de décoller. Et là, vous avez un peu ragé en disant, flûte, allez, j'y vais, je crois en moi. Et vous avez raison, ne lâchez rien, continuez. J'aime bien dire ça, parce qu'à ce moment, j'entends, ne lâchez rien. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Savourez ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est vraiment très 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 beau. Alors si vous sentez que justement ça pourrait vous submerger, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez besoin d'être guidé dans cette phase de transition, d'ascension, dans cette réalité là où vous en êtes, si vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, eh bien moi je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre, une séance découverte. On regardera ensemble. Vous en êtes dans votre projet, ce qui vous manque pour pouvoir avancer, comment solidifier, concrétiser là où vous en êtes. Je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin de lumière pour être dans cette co-création. Donc si mon message vous parle, je vous mets le lien sous cette vidéo et puis je vous dis à tout de suite de l'autre côté, parce que c'est le moment, c'est tout à fait le moment. Alors j'ai envie de faire une vidéo courte parce que je la sens très impactante dans cette durée. On va aller regarder avec l'oracle de Gaïa, quelle est la carte conseil pour vous, vous qui êtes en chemin de vie 3, ou vous qui avez besoin de cette énergie du 3, cette sainte trinité, pour aligner vos énergies entre corps, âme et esprit, pour que votre esprit vous guide dans les méandres qui sont à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez sortir du labyrinthe. Parce que dans le labyrinthe, vous êtes allé chercher la carte au trésor à l'intérieur de vous, elle est là, la victoire. Et là... vous ressortez du labyrinthe et donc vous avez besoin de pouvoir déployer vos ailes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte conseil? Des fois, voilà, ça sort tout de suite, là, ça sort pas. On va attendre un petit peu, hein. Ok, bien, quand vous voulez. Ah, on me dit je coupe. Alors, je coupe puis je vous montre la carte. Je vous montre la carte, qu'est-ce qu'ils vous disent? Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je vous laisse vous imprégner de cette énergie
Il est question d'un ange gardien qui vous accompagne, qui vous protège. Et vous êtes vraiment en train de vous reconnecter. Et dans cette larme, il y a tout l'océan. C'est-à-dire que vous êtes cette goutte d'eau qui prend sa place dans l'océan de la vie, en fait. De cette larme de souffrance, c'est une larme de joie, de reconnaissance, de reconnexion. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et j'ai envie d'aller regarder ce qui est écrit dans l'oracle parce que je sens que c'est très beau et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Ah, ils sont en train de me montrer quelque chose. J'essaie de vous montrer, de zoomer. Vous voyez le 10, c'est un 1 amplifié. On est bien à l'aube de quelque chose de très très beau qui va s'amplifier parce que vous êtes vraiment en train de vous ancrer, de vous enraciner, d'enraciner votre projet. Là, là, il est concret, il est juste. Je vois des images, je vois des photos, je vois des couleurs, je vois des rencontres, je vois des connexions, je vois des relations d'âme qui sont en train de se tisser autour de vous. Et c'est très très beau. Et vous êtes en train de rayonner en contact avec toutes ces personnes. Vous êtes magnétique. Ça vous fait tout drôle hein, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être aussi au centre de l'attention. Et en même temps, c'est ce dont vous rêviez. Donc vous êtes au bon endroit en fait. Là où vous êtes. Parce que vous avez coupé tout ce qui gênait pour être vraiment vous-même. Et c'est votre âme qu'on voit dans toute sa brillance, dans toute sa lumière. Donc continuez à être qui vous êtes, à porter ce projet et à le faire vivre dans cette réalité, dans cette réalité 3D parce que ça va s'amplifier. Donc waouh, waouh. Alors on est parti. Un joyau dans une larme. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces temps derniers. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. Et vous pouvez répéter cette affirmation qui vous aidera à implanter dans votre cœur ce nouvel état-là, cet amour de vous. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel et je suis aimée. Voilà, chère âme divine, vous qui êtes en chemin de vie 3 ou vous qui avez besoin de cette énergie de 3 pour pouvoir conforter votre projet, j'espère que mon message vous parle, vous apporte cette reconnaissance que vous cherchiez, elle est là pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je serai ravie de vous retrouver pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao !